la firme patio. Salpagate, cosito y situation sécuritaire qui prévaut dans la partie est de la République démocratique du Congo préoccupe au plus haut point le président de la République. C'est samedi 3 octobre 2020, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo a reçu dans son bureau du Palais de la Nation la délégation de chefs coutumiers du Nord Kivu. Au cours de l'entretien, cette délégation conduite par l'honorable Mwami Sandoli Chabani Mukonka Senge a fait état de la situation sécuritaire dans cette province avant de proposer au chef de l'État leur piste des solutions pour mettre fin à l'insécurité observée dans cette partie de la République. Nous sommes venus voir le chef de l'État pour deux aspects. D'ailleurs, l'aspect le plus important, c'est le problème de l'insécurité qui se vit actuellement dans la province du Nord Kivu et qui fait qu'aujourd'hui, nos populations respectives sont en train de vivre dans des, disons, des conditions inhumaines, en déplacement, ils ne sont plus chez eux. Nous voulons que lui, en tant que chef de l'État, puisse franchement prendre toutes ses responsabilités afin que la population regagne leur milieu d'origine et que la paix soit retrouvée et une paix durable. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, a réitéré devant ses interlocuteurs son engagement et sa détermination à user de tout son pouvoir pour sécurité, pas seulement au Nord Kivu, mais dans toute la partie orientale de la RDC. La population attend le chef de l'État, c'est lui qui a le dernier mot afin qu'ils puissent retrouver leur paix durable. Cette rencontre était également l'occasion pour le chef coutumier du Nord Kivu de renouveler leur loyauté au chef de l'État. Ils ont en outre lancé un message de mobilisation à la population du Nord Kivu tout entière et de ses environs pour réserver un accueil chaleureux au président de la République annoncé dans cette province dans quelques jours. C'est un week-end qui n'a pas été de tout repos pour le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité et Affaires Coutumières. Gilbert Kankonde Malamba vient d'effectuer une première descente dans les installations portuaires de la ville-province Kinshasa. Il est accompagné du ministre des Transports et Voies de Communication, Didier Mazenga. Au port Ondika, qui a constitué la première étape de cette itinérance, le patron de la territoriale a eu droit à un bain de foule. Très accessible et dans sa magnanimité, le vice-premier ministre de l'Intérieur se met aussitôt à l'écoute de ses concitoyens. Il lui expose leurs difficultés sans protocole. C'est surtout pour une taxe appelée manutention qui pèse lourdement sur les différentes transactions. Le travail payé est souvent exécuté par d'autres personnes et à charge toujours des propriétaires des marchandises. Cette situation a surpris les deux membres du gouvernement. Gilbert Kankonde a martelé qu'aucune taxe sans fondement ou soubassement légal sera perçue au dos de la population. C'est un secteur où on a constaté que sur tous les plans, sur les plans techniques, sur les plans sécuritaires, beaucoup de ces forts fonctionne sans se référer à la réglementation en vigueur. Et nous avons cette responsabilité-là d'inspecter les ports à travers toute la République et de faire rapport et éventuellement de fermer tous les ports qui ne répondent pas aux normes, qui ne répondent pas à la réglementation en vigueur. Dans le même périmètre, un autre port au nom des Dokolo a été visité. Le vice-premier ministre s'est livré au même exercice qui vise à rassurer la population sur la régularité et l'assainissement des ports privés afin qu'ils répondent aux normes et exigences de la loi selon la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. L'armée en temps de paix doit être une armée de production et de développement. C'est ce qui justifie la raison d'être de l'idée d'une industrie militaire en RDC. La clôture de la caravane de la paix dans la province du Haut-Katanga a été marquée entre autres par la visite de la ferme militaire de Baya qui a comme superficie 2500 hectares. Pour cette année, les travaux de 100 hectares de maïs ont été lancés, dont la production de 600 à 700 tonnes de maïs sont attendues d'ici la fin de la saison agricole.
Le ministre de la Défense nationale et ancien combattant Aimé Ngoy-Moukena a annoncé la construction d'une minoterie de l'armée dans les mois à venir. Concernant l'élevage, d'ici une dizaine de jours, les poulaillers vont accueillir 120 à 140 poussins de chair et à en croire les experts, l'armée est capable de produire 100 000 à 200 000 poulets de chair d'ici le mois de décembre prochain. Un autre temps fort, il s'agit de l'inauguration du tout premier forage dans la ferme de Baya par le ministre de la Défense nationale pour pallier tant soit peu à la carence d'eau. Et ces puits ne servira non seulement à l'eau potable, mais aussi à l'irrigation. Organisée par visioconférence, les assises des hauts niveaux marquant le 25e anniversaire de la déclaration de Beijing dans le cadre de la 4e conférence mondiale pour la femme ont eu raison de la crise sanitaire due à la Covid-19. Sur les grands écrans du siège des Nations Unies à New York aux États-Unis, la République démocratique du Congo, représentée par la ministre d'État, ministre du Genre, Enfants et Familles, Béatrice Nomea-Tilité, a présenté les avancées réalisées pour rencontrer les orientations de l'action de Beijing. Depuis 1995, la République démocratique du Congo a procédé à de nombreuses réformes juridiques et mesures administratives et a adhéré à plusieurs instruments juridiques internationaux, régionaux et sous-régionaux relatifs aux droits humains en général et aux droits des femmes et des filles en particulier. Tous ces instruments ont été implémentés sur l'ensemble du territoire national dans le but de raconter les orientations de la plateforme d'action de Beijing. Mon pays a conscience que tout n'est pas accompli et qu'il reste encore un vaste chantier pour parachever la réalisation de l'égalité des sexes et la promotion de tous les droits des femmes et filles congolaises, particulièrement durant cette décennie d'action que nous attendons. Fort heureusement, la détermination du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, et de l'ensemble du gouvernement à lutter contre toutes les formes de violence à l'égard des femmes, notamment sexuelles et celles basées sur le genre, demeurent très grandes. La patronne du genre a reconnu l'immensité du chantier à parachever pour atteindre l'égalité des sexes et la promotion des droits de la femme. Le président du Sénat, l'honorable Alexis Thambo Mwamba, est en mission officielle à Kindu, au Maniema, son fief électoral, à sa descente d'avion. Il était accueilli sur les tarmacs par le gouverneur de la province du Maniema, Ogui Moussa Firi, son adjoint, les ministres provinciaux et le maire de la ville. Cette ville de Kindu est frappée de plein fouet par la COVID-19. Elle enregistre déjà quelques cas de contamination. Le maire de la ville les confirme. La COVID est dans nos mains, mais nous sommes tentés de sensibiliser la population, de respecter toutes les mesures barrières, en portant des masques, la distanciation et le lavage des mains pour éviter la contamination. Pour éviter la propagation de cette maladie qui décime la population mondiale, le président de la Chambre haute du Parlement, l'honorable Alexis Thambo Mwamba, qui tient à préserver la population de son fief électoral de cette pandémie très meurtrière, a remis un kit de masques de protection au maire de la ville pour la population des trois communes de cette ville. Kasuku, Alungouli et Mikelenge, représentés par leur bourgmestre. L'arrimée symbolique a eu lieu à la résidence du président de la Chambre haute du Parlement. Au nom de la population de ces trois communes, les bourgmestres ont exprimé leur gratitude. J'ai dit merci au patriarche, le papa du Maniema, qui a songé à protéger sa population. Nous disons merci. Ce qui nous revient, nous, c'est de sensibiliser notre population afin d'être épargnée de cette pandémie. Et nous le ferons. Nous allons transmettre tout ça à la population afin que nous soyons aussi aguerris. La sensibilisation, c'est de mettre en application les mesures barrières. C'est laver les mains à tout moment, ne se salue plus à tous les mains. Quand vous voulez tousser, vous toussez de côté. Et je dirais aussi à ma population qu'il faut se protéger. Cette maladie est tellement grave et cette maladie est déjà entre nos murs ici. Occasion pour le bourgmestre de la commune de Mikelenge de solliciter un moyen de mobilité pour son itinérance dans la commune. Comme réponse à sa doléance, le président du Sénat a remis une moto de marque Yamaha, geste de générosité très apprécié, et le bourgmestre a manqué des mots très émus.
Pendant ce séjour qui vous tient, Eric Roubouillet a donné son temps pour réfléchir sur les voies et moyens de concrétiser la promesse faite lors de son meeting à la population de Bukavu, celle de mettre toute son énergie au bénéfice de sa chère province. Une des premières choses qu'il compte faire, c'est la création d'emplois des jeunes au sein de cette usine de fabrication de thé. Eric Roubouillet, en compagnie de sa délégation, a visité cette usine située à Irabata, dans le territoire de Ngouéché, à quelques kilomètres de Bukavu. Cette usine de fabrication de thé existe depuis 1958 et est capable de produire 5 tonnes de feuilles de thé par jour. L'ingénieur agronome Kambale a donné des explications de la production, la récolte, la fabrication jusqu'à la consommation de ce thé de qualité produit dans la province du Sud Kivu. Le thé, on le sèche pour qu'il conserve une humidité de moins de 3% pour qu'il soit conservé. Il y a également la fibre. Parce que sur le marché, si le thé n'est pas bien propre, à ce moment, c'est un manque à gagner, vous voyez. Une véritable entreprise de production comparable à la Gécamine, capable de produire du bon thé même pour une exportation qui fera la fierté de la République démocratique. Du Congo, cette usine connaît quelques difficultés dues au manque d'énergie qui empêche son fonctionnement. Essentiellement, c'est le problème énergétique. Parce que pour le moment, nous travaillons par intermittence, c'est-à-dire en 2 ou 3 mois. Alors que si on avait le courant en permanence, on allait enchaîner le travail dès le début de la première machine jusqu'à la dernière machine sans interruption. Et là, le rendement serait plus impeccable. Toutes ces doléances ont trouvé attentives les oreilles du sénateur Eric Roubouillet. Conscient du grand défi qu'il attend pour sa province, le questeur du Sénat promet son implication totale pour la modernisation dans un bref délai de cette usine de production. Outre la modernisation de cette usine vieille de 62 ans, Eric Roubouillet va créer 1000 emplois directs et 10 000 indirects en vue de baisser le taux de chômage dans son Kivu natal. Après la visite des plantations de VA et des palmeraies de la société Miluna Gwaka dans les territoires de Boudjala qui constituent les lieux de provenance des matières premières pour certaines unités de transformation, le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, a visité l'usine de traitement des caoutchoucs avec une capacité de production de 2000 tonnes l'an. Ici, les différentes étapes de transformation du latex après la saignée pour réaliser la semi-transformation ont été expliquées au ministre, dont le fumage et les calandrages pour ainsi aboutir aux sheets et crêpes avant l'exportation pour fabrication des pneus et semelles des souliers. Ma tournée ici, c'est faire en sorte que le gouvernement puisse s'approprier une politique de renforcement de l'industrie locale. Pour qu'au lieu d'exporter ces feuilles de caoutchouc et ces crêpes pour la fabrication des semelles, qu'on installe des usines de fabrication de pneus, si ce n'est pas ici localement, dans la province du Sud de Bangui, au moins à Kinshasa. Juste après, cette fois-ci, accompagné du gouverneur du Sud-Ubangi, Jean-Claude Mabenze, le ministre de l'Industrie a visité l'usine de l'huile de palme qui produit 3500 tonnes par an. On se rend compte qu'il y a une grande industrie dans la province du Sud-Ubangi qui nous produit de l'huile jusqu'à 400 tonnes le mois. Et cette huile est consommée à Kinshasa. Également, le lieu de fermentation des grains de cacao a été visité. Le ministre a promis l'accompagnement du gouvernement via les FPI pour ainsi augmenter la capacité de production de ces unités de transformation, tout en mobilisant les partenaires, a-t-il conclu.